Bienvenue chez toi, bienvenue chez nous, bienvenue à l'Église CCH. On est vraiment très contents de t'accueillir chez nous. Et juste avant de continuer, nous voulons, au nom du CCH, vous souhaiter à chacun de vous et à toi un joyeux Noël. Noël, au-delà des cadeaux, au-delà de recevoir, nous voulons nous rappeler que Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ sur terre et nous devons nous réjouir, peu importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Aujourd'hui, nous aurons à la prédication Pasteur Laurent qui va nous amener une prédication à propos de la Noël, bien sûr. Et ensuite, nous aurons un temps de louange avec Esther, Scott et Rachel. Restez avec nous et on se voit tantôt. Bonjour à tous. Très heureux de pouvoir vous accueillir ce matin à notre réunion en ligne Église CCH. Et en ce dimanche, tout à fait spécial puisque nous sommes dans cette semaine où nous allons nous préparons à célébrer Noël. Une des choses que j'aimerais vraiment qu'on puisse saisir, c'est réellement tout le message qui se cache en arrière de Noël. Vous savez, Noël est devenu vraiment une fête, on va dire presque commerciale aujourd'hui, et on peut tellement passer à côté du véritable sens qu'il y a en arrière du message de Noël. Et vraiment, j'ai un message pour vous ce matin, pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions revenir à la véritable adoration du cœur de Dieu à travers justement le message de Noël. Et le titre de mon message aujourd'hui s'intitule « Un roi nous est donné ». Un roi nous est donné et on sait aussi qu'il y a beaucoup de chants que l'on chante à propos de Noël et qui déclarent une telle chose, un roi nous a été donné. Et vous savez, ça vient justement de ce passage qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9 et au verset 5 où il est dit « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné ». Et une des choses qu'il est dit juste un petit peu plus loin où il est dit qu'il a reçu l'autorité d'un roi. Et j'aimerais vraiment vous amener avec moi dans le récit de la naissance de Jésus à travers l'évangile de Matthieu. Et on trouve dans Matthieu chapitre 2 au verset 2, il y a cette fameuse phrase tout à fait particulière où il est dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et je vous mets un peu dans le contexte parce que Matthieu chapitre 2 verset 1, il est dit que Jésus naît à Bethléem où Hérode le grand est roi. Alors des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem en demandant où est le roi des Juifs. Vous savez, une des choses qu'il faut apprendre à faire lorsqu'on étudie les Saintes Écritures, c'est que lorsqu'il y a des aspects assez répétitifs qui reviennent, des thèmes, des mots, il y a des éléments très répétitifs qui reviennent dans un même récit. Souvent, ce sont des endroits qui nous font réaliser qu'on a besoin de s'arrêter afin de réaliser le message qu'il y a en arrière de ce que l'on lit. Et ici, un grand message à travers juste le fait de considérer que Matthieu nous introduit le récit de la naissance de Jésus à travers justement le thème de la royauté. Le roi est venu une première fois. Et on parle ici, pas n'importe quel roi, on parle du roi de l'univers. Le roi Jésus-Christ est venu une première fois. Il viendra une seconde fois dans sa gloire. Mais ici, ce que Matthieu veut que nous saisissions, c'est que la première fois où le roi de l'univers est venu, il n'est pas venu avec puissance, mais il est venu dans la faiblesse. Et ça, c'est un message vraiment puissant pour nous aujourd'hui. Autant peut-être des personnes, vous ne connaissez pas les choses de Dieu, peut-être vous écoutez ce message et vous n'êtes pas familier avec l'Évangile, avec la Bible, avec l'histoire du cœur de Dieu. Et peut-être aussi des personnes, ça fait plusieurs années que vous êtes chrétien, j'aimerais vous dire que ce message est pour nous tous ce matin. Et Noël signifie quoi? Signifie que le roi de l'univers... Parce que Matthieu prend le temps de préciser ici qu'il s'agit bien d'un roi. C'est le roi qui vient de naître, le roi de l'univers. Maintenant, il faut que nous saisissions tout le message de l'Évangile à la lumière de cette vérité, qu'en partant au début de toute chose, il s'agit du roi de l'univers. Pour que nous saisissions bien le message de l'Évangile qui est celui-ci, le roi de l'univers est descendu de son trône pour monter sur une croix. Ça, c'est le message.
le plus important que l'humanité doit saisir. Et il me semble que c'est parfaitement bien relié dans les périodes de fête. À Noël, c'est le moment de se rappeler ce message tellement important qui est un enjeu éternel pour toute l'humanité. Et vous savez, une des choses que je réalise, c'est que lorsqu'on va saisir la fin de l'histoire, parce qu'ici on est au début de l'histoire, et Matthieu fait bien attention à tous les détails qu'il va mettre. Théologiquement, on prend le temps d'étudier ce passage-là, et chaque aspect, chaque détail a son importance. Et Matthieu, c'est avec une intention littéraire, et son génie littéraire également, qu'il va inclure l'importance d'y voir ici l'aspect de la royauté de Jésus-Christ. Parce qu'une fois que Jésus va être sur la croix, et lorsqu'il va ressusciter, qu'il va appeler son Église à régner avec lui, et à continuer à poursuivre son œuvre, c'est là, c'est un peu comme l'effet d'un film. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, mais vous regardez un film qui vous tient en haleine du début jusqu'à la fin. Mais la fin vous percute. C'est comme une histoire, la fin, vous ne vous y attendiez pas. Et là, ça donne même encore plus de valeur à tout le film, tous les épisodes, toutes les étapes que vous avez pu voir dans le film. Et souvent, moi, ce que ça a fait lorsque des films comme ça m'ont touché, c'est que j'ai le goût de revoir le film et de passer chaque détail, maintenant, cette fois-ci, à la lumière de comment l'histoire s'est terminée. Et c'est vraiment dans cette intention-là que Matthieu, peut-être sur le moment, personne n'a réalisé ce qui se passait lorsque Matthieu a écrit ceci. Peut-être qu'on passe, c'est banal pour nous. On lit cette histoire, le roi, où est le roi? Là, il y a tous ces mots qui arrivent de royauté. On n'y prend pas garde, mais lorsque tu vois comment l'histoire se termine, Matthieu désire vraiment que nous revenions à ce récit de la naissance pour que nous repassions chaque histoire que Jésus a accomplie durant son passage sur terre, pour que nous réalisions encore plus la finalité de cette histoire, le message au final puisse résonner encore plus dans nos cœurs au point que nos vies soient bouleversé. Amen. Matthieu dit ceci, première des choses qu'on doit saisir. Et c'est comme le début de ce grand message. Le roi de l'univers n'est pas arrivé parmi les standards. Le roi de l'univers n'est pas né au sein d'une famille extraordinaire. En fait, il est né au sein d'une famille ordinaire. Et même, encore pire, on va vraiment plus loin et Matthieu prend le temps de spécifier ces détails-là, justement les détails du récit de la naissance. Le roi de l'univers est né dans une étable. Le roi de l'univers, chers amis, grandira au sein d'une famille qui devra fuir et passer sous les radars pendant un certain temps. Le roi de l'univers. En d'autres termes, Matthieu est en train de dire ceci. Ne cherchez pas dans les cours des plus beaux palais, dans les amphithéâtres les plus prestigieux, car le roi de l'univers a choisi de naître dans une mangeoire étendue sur de la paille. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que ce point précisément, cette vérité, nous devons la saisir sur le fait que nous réalisons qu'il s'agit du roi de l'univers. Donc, ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que Dieu est souverain. Et lorsque les Juifs mentionnaient ce mot, Dieu est souverain, Dieu est roi. Roi qui veut dire souverain, ça veut dire en termes juifs, ça veut dire à l'époque à qui tout appartient. Tout appartient. Il est roi de l'univers, ça voulait dire en d'autres termes, il est roi de tout ce qui existe. Et on connaît les récits des psaumes, ça ne cesse de déclarer toute la souveraineté de Dieu lui-même, de Jésus-Christ également lui-même. Il règne sur tout ce qui existe. Il possède, écoutez bien ceci, il possède l'existence en lui-même. Ce qui veut dire que Jésus n'a pas subi sa naissance. Vous y êtes? Jésus n'a pas subi l'endroit où il est né. Jésus a choisi de naître à cet endroit-là. Donc Matthieu, lorsqu'il écrit, il veut que nous saisissions ça. Réalise que Jésus a choisi d'être là. Donc, ça veut dire qu'il est en train de te dire un grand message. À travers juste sa naissance, juste l'endroit où il est né, juste les événements qui vont entourer son enfance. Le contexte, l'environnement. Il possède l'existence en lui-même. Vous savez, c'est ce qui fait la grande différence entre Dieu et nous.
Dieu possède l'existence en lui-même, tandis que nous, nous la recevons. C'est une grande différence. Comme l'air qu'on respire. Je ne suis pas en mesure de fabriquer de l'air. Alors, si j'atterris sur une planète où il n'y a pas d'oxygène, je ne peux pas vivre parce que j'ai besoin de recevoir quelque chose de l'extérieur pour pouvoir nourrir la vie en moi. Comme pour boire également, j'ai besoin d'eau qui me sera donnée de l'extérieur pour que la vie continue à être suscitée en moi. Et comme pour manger également, donc j'ai besoin d'éléments extérieurs pour pouvoir survivre. Maintenant, la grande différence entre nous et Dieu, c'est que Dieu, lui, possède l'existence en lui-même. Il n'est pas dépendant de ce qui se passe à l'extérieur. Il a créé la vie. Il est lui-même la vie. C'est extraordinaire. Parce que lorsqu'on déclare que Dieu est souverain, restez avec moi parce qu'il s'agit bien du message de Noël. Surtout, je crois, le message qui est caché en arrière de Noël. Que Dieu est autosuffisant. Pas nous, mais lui, oui. Et c'est pour cela qu'il est appelé créateur et que nous, nous faisons partie de sa création. Il est créateur et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Il n'a ni commencement ni fin parce qu'il n'a pas attendu que quelqu'un d'autre crée en lui la vie. Il est la vie. Et les Juifs, quand ils déclaraient que Dieu est souverain, où est le roi? Il y a l'aspect de cette souveraineté. Où est le roi? Il est souverain. Où est le souverain du monde? Ils étaient en train de déclarer « Où est celui à qui rien n'échappe ?» Restez bien avec moi, c'est super important. Rien n'échappe à Dieu. Ce qui veut dire que cette naissance, avec tous les détails qu'elle contient, a été divinement orchestrée. Ça veut dire qu'il y a une intention divine qui se cache en arrière de la naissance de Noël. Et c'est là que devrait susciter en nous notre plus grand émerveillement lorsque nous célébrons Noël. Je réalise ce qui s'est passé au début pour mieux comprendre l'impact que le message que Dieu veut susciter en moi à la fin de l'histoire. Amen. Le grand message qui se cache en arrière de Noël, en fait, le début du grand message est celui-ci. Jésus n'était pas le type de roi que le peuple attendait. Et là, restez bien avec moi, c'est vraiment important. Je prends le temps vraiment de rentrer en profondeur avec ce message. Peut-être que dans d'autres moments, on fait d'autres messages, mais là, c'est vraiment crucial pour moi. C'est ce que je sentais sur mon cœur de vous amener avec moi dans ce pèlerinage, dans ce voyage à travers ce récit de la naissance, afin que nous saisissions le grand message de l'Évangile à travers Noël. Jésus n'était pas le type de roi que le peuple attendait. Il n'avait pas de titre. Il n'a pas attendu d'avoir une position sociale importante. Et lorsque même Joseph repart avec sa famille, il va avoir toutes sortes d'étapes, d'événements. La plupart, vous connaissez les événements des récits de l'enfance de Jésus-Christ. Joseph va choisir avec sa famille de s'installer aussi loin que possible des centres du pouvoir. Et ils vont choisir d'aller à Nazareth. C'est pour ça qu'on va appeler Jésus le Nazaréen. Et là, encore une fois, c'est un élément qui vient s'emboîter sur l'intention divine pour nous apporter le plus grand message et le plus sublime des messages pour l'humanité. Ils vont à Nazareth. C'est ainsi que Jésus est non seulement né dans une mangeoire, mais il va grandir comme un Nazaréen, comme si ça suffisait pas d'être né dans un lieu isolé, le roi de l'univers. On aurait pensé que le roi de l'univers serait né à Jérusalem, au centre de tout ce qui se passe. Non, il faut chercher encore plus. Ne cherchez pas dans les cours des grands palais. Il va être isolé. Sa naissance va être un événement isolé, avec des personnes pratiquement insignifiantes, selon le statut social de l'époque. Attention. Mais voici ici. Qu'est-ce que cela signifiait? Vous savez, on a un petit aperçu à travers Nathanaël, à travers Jean chapitre 1er, verset 46. Vous connaissez cette histoire où est-ce que justement, il y a des gens qui vont voir Nathanaël, ils disent « Hé, le Messie est arrivé, le Messie est venu! » Et là, quand il essaie de donner un peu quelques détails, et là, il dit « Il vient de Nazareth! » Nathanaël va dire « Comment? Mais non, vous trompez. Sûrement, il y a dû avoir une erreur d'information. Est-il possible que quelque chose de bon puisse sortir
de Nazareth. Tout le monde en Judée, restez avec moi, c'est très important, n'a que mépris et dédain pour ceux qui viennent des campagnes reculées telles que Nazareth et Galilée. Et pourtant, comme nous le montre le texte, c'est bien là que Dieu a prévu que le Messie grandisse. C'était un choix délibéré de la part du ciel. C'était le planning prévu. C'était ce qui était écrit depuis le début des temps. Et le monde, vous savez, il n'y a rien qui change aujourd'hui. Le monde n'a toujours que mépris et dédain pour ceux qui ne viennent pas du bon endroit. Vous savez ce que Dieu a voulu faire? Il a voulu s'assurer que là où Jésus allait arriver, le regard de l'homme regardait ailleurs. Et là, on dit, mais non, il est venu pour nous. Non, justement, il est venu pour nous, mais pour que nous saisissions vraiment Christ dans notre vie, nous devons comprendre finalement que l'œuvre que Christ a accomplie s'est faite loin des regards humains. C'est pour ça qu'il y a cette intention à travers les écrits de Matthieu. Et ça n'a jamais changé. On se tient loin de tout ce qui ne vient pas du bon endroit. Ça, c'est l'être humain. Ça, c'est la nature humaine. Mais Dieu, lui, a fait les choses autrement. Vous savez, le monde n'a que mépris pour ceux qui n'ont pas les bons attributs. Nous sommes en permanence en train de chercher à nous valoriser, chercher l'approbation et les honneurs de la foule. Nous avons besoin, un besoin désespéré de nous sentir supérieurs aux autres. Et tout ce que Jésus va être et va devenir va aller dans le sens opposé de ces critères. Tout. Et c'est comme ça qu'on doit saisir tout d'abord le début du plus grand message adressé à l'humanité de la part de Dieu. Si vous habitiez à Nazareth, à l'époque, vous ne pouviez pas faire partie des gens importants. Et le monde était persuadé que la vérité ne peut venir que de ceux qui ont une certaine origine. C'est pour ça qu'il y a aussi toute cette fameuse histoire d'Hérode, le grand. Et quand on se met à étudier un peu le contexte historique, on s'aperçoit que finalement, il a eu une position, lui, en faisant des choses pas correctes. Parce qu'il savait que si j'éteignais certaines personnes pas très élogieuses dans ma lignée d'autrefois, ça va m'aider à pouvoir atteindre des plus hauts sommets. C'était comme ça que ça fonctionnait avant. Donc, quand on pense à devenir roi, lorsqu'on pense à exercer un certain pouvoir, il faut éliminer les statuts ou les attributs qui sont les plus insignifiants. Et Jésus a fait tout le contraire. Il est roi de l'univers. Il va se présenter ainsi. Posséder un certain style ou être issu de certaines écoles. Alors voici une chose, c'est très important. Jésus est allé là où l'homme ne regardait pas. Et même, je dirais plus loin, Jésus est allé là où l'homme n'y était pas. Parce que vraiment, le véritable sens de l'Évangile est celui-ci. Ce n'est pas l'homme qui réussira à aller vers Dieu. L'Évangile, c'est l'histoire de Dieu qui est allé vers l'homme. Là où Dieu a commencé, l'homme n'y était pas. C'est pour ça que nous pouvons dire que l'Évangile est une histoire de grâce. Et il a fait exprès, justement, non. Justement, je ne veux pas être parmi les hommes. Pourquoi? Imaginez un peu si ça avait été le cas. On aurait interprété comment les choses? Finalement, c'est toujours les plus grands qui reçoivent les plus grands honneurs. Donc, finalement, on aurait pensé que finalement, pour être sauvé, il faut qu'il y ait certains attributs humains. Maintenant, la grâce de Dieu se fait en dehors de tout ce que l'homme peut accomplir. Voilà le grand message de l'Évangile. Est-ce que vous êtes là ce matin? L'enseignement de la Bible est que non seulement Dieu ne fonctionne pas comme l'homme fonctionne, mais en général, et il l'a prouvé à travers tous les récits, tous les récits de l'Ancien Testament. En général, il va procéder de la manière opposée, avec un choix bien délibéré. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une malchance, ce n'est pas quelque chose que Dieu a subi puisqu'il est souverain. Il possède l'existence en lui-même. Donc, si les choses se sont passées ainsi, c'est parce que c'était divinement orchestré. Donc, forcément, il y a un message puissant à saisir en arrière. Le plus grand personnage de l'histoire est né dans une mangeoire et vient de Nazareth. Retenez bien cette phrase. Une mangeoire et Nazareth.
Les deux choses qu'il ne fallait pas pour essayer justement de solliciter l'importance d'une personne. J'aimerais vous dire que normalement, les Juifs, s'ils avaient été un petit peu plus wise, maintenant, je ne peux pas dire que j'aurais fait mieux. Comprenez bien, la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Mais s'ils avaient été un petit peu plus wise, s'ils avaient été un petit peu plus réfléchis dans leur façon de reconnaître les choses. Normalement, les Juifs reposaient leur foi sur l'origine des histoires des personnages qui les ont précédés. Donc, Abraham, Moïse, David, les prophètes, les rois, toutes ces personnes-là. Maintenant, si tu prends le temps de reconnaître et d'essayer d'étudier le cœur même du récit de la naissance de Jésus, j'aimerais vous dire, finalement, lorsque tu regardes l'ensemble de la Bible, rien n'a changé. Les choses continuent d'être comme elles sont depuis toujours. En fait, Dieu continue de fonctionner de la même manière qu'il fonctionnait jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que si on regarde vraiment à travers les différentes, pas toutes, je ne peux pas, je n'ai pas le temps pour étudier, mais plusieurs histoires juste nous faire réaliser en fait que Dieu fonctionne souvent de la manière dont Dieu n'avait pas prévu que les choses fonctionnent. Par exemple, lorsqu'on parle des nations, lorsqu'on parle du pouvoir dans l'Ancien Testament, l'image du pouvoir, ça c'était important pour un homme. La richesse d'un homme, c'était les pouvoirs, c'était aussi sa puissance dans sa nation, donc la guerre, c'était très important. Qui allait sortir vainqueur des guerres? Il y avait aussi tout l'aspect des aînés. Vous savez, les aînés, ça c'était signe aussi que l'héritage allait arriver à l'aîné. Donc l'aîné était vraiment la fierté de la famille, la fierté du père. Il y avait aussi les femmes fertiles, stérile versus, alors une femme qui pouvait enfanter des enfants pouvait être justement l'image d'une richesse, d'une dignité, d'une fierté pour la famille. Et regardez bien ces choses-là. Lorsqu'on parle du pouvoir, Dieu n'adresse pas son message dans l'Ancien Testament par l'intermédiaire des Égyptiens, qui étaient la nation la plus puissante de l'époque. Et moi, je me souviens lorsque j'étais dans un cours, je pense que je l'avais déjà dit dans un cours à l'université en théologie, il y avait, à un moment donné, on avait un professeur qui était juif. Et il y a une question qui a été posée. Et cette question était celle-ci. Dites-nous pourquoi? Pourquoi Dieu a choisi Israël et pas un autre peuple à ce moment précis de l'histoire? Et le professeur a répondu tout simplement parce qu'à ce moment précis de l'histoire, c'était le peuple le plus misérable sur la terre. Dieu a choisi là où l'homme n'aurait pas choisi. Et c'est très important de saisir ce message. Il n'a pas adressé son message par l'intermédiaire des Égyptiens, des Assyriens, des Babyloniens et même des Romains dans le Nouveau Testament. Mais parmi les peuples les plus petits, il n'a pas choisi les plus dominants. Au contraire, il a confié son message et s'est même identifié, c'est important, il s'est identifié parmi les Juifs qui sont un petit peuple. Une petite ethnie qui n'a quasiment jamais détenu le pouvoir. Connaissez l'histoire de Goliath? L'histoire qu'on raconte à nos enfants. Vous savez que c'est l'histoire de la naissance de Jésus? Cette histoire-là? Est-ce que vous savez qu'à chaque récit de l'Ancien Testament, nous pouvons voir Jésus pointer à l'horizon? Est-ce que vous saviez ça? Goliath! Dieu ne va pas régler le cas de Goliath avec les plus grands en imposant un géant encore plus grand. Dieu va régler le cas de Goliath avec un jeune berger dont même le géant va se moquer. Et c'est ainsi que Dieu procède encore et encore. Lorsqu'on parle des aînés dans les temps anciens, alors que l'aîné hérite de tout et les autres enfants les miettes. Et pratiquement, même parfois, les autres enfants n'ont aucun statut social. Remarquez comment Dieu va procéder. Il va utiliser Abel et non Caïn. Il va utiliser Éphraïm et non Manassé. Il va utiliser David et non ses frères aînés, dont tout le monde pensait que la solution allait arriver par eux. Et lorsqu'on parle de femmes fertiles ou de femmes stériles, à une époque où la valeur d'une femme se mesurait à sa beauté et sa fertilité, Dieu va choisir, excusez-moi du terme, la vieille Sarah, et non pas la jeune Agar, pour donner naissance à la descendance la plus importante du peuple juif. Sarah, en plus d'être vieille, ne peut pas enfanter. C'est pas fou, ça? En fait, avez-vous remarqué, Dieu attend toujours l'impossibilité.
Comme ça, il s'assure que quand il va agir, on comprend bien le message en arrière. Lorsque moi j'agis, je n'ai pas besoin de toi. Et en fait, c'est toi qui as besoin de moi. C'est vraiment le sens du message que Dieu veut aussi partager à travers Matthieu, le récit de sa naissance, comme Matthieu va le décrire. Dieu choisit d'agir là où les standards de ce monde disent « c'est impossible ». Et c'est bien ainsi, l'histoire se répète. Parce que Dieu choisit Rebecca, qui ne peut pas avoir d'enfant. Ça continue, hein? Vous allez voir, toute la descendance, toute la lignée continue. Dieu choisit même la mère de Samson, qui ne peut pas avoir d'enfant. Dieu également continue de perpétrer la routine, hein, ce concept bien particulier. Dans le Nouveau Testament, Dieu choisit Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, qui ne peut pas avoir d'enfant. Et là, pour Jésus-Christ, alors là, on atteint les sommets de tous les sommets. Il n'attend même pas qu'il soit possible qu'elle tombe enceinte pour qu'elle tombe enceinte. Si tu veux une impossibilité à travers Jésus, là, on a la crème des crèmes. Maintenant, toutes les histoires de l'Ancien Testament, la Bible dit que ces choses sont arrivées, c'était l'ombre des choses à venir. Jésus-Christ était annoncé. Jésus-Christ devait passer par Nazareth et naître dans une mangeoire. J'aimerais vous dire que toutes les histoires que Dieu accomplit, ça a été des histoires de mangeoire et de Nazaréens. Continuellement, continuellement. Et indirectement, il annonçait déjà ceci, je choisirai Nazareth et non Jérusalem. Je choisirai la fille dont personne ne veut. Je choisirai le garçon dont personne ne s'intéresse. Je choisirai d'être là où personne ne regarde. Écoutez bien ceci, j'ai pratiquement terminé mon message, c'est très important. Je choisirai loin des regards. Loin, je choisirai d'être loin de ce qui est élogieux, loin des applaudissements, loin des lumières. C'est drôle parce qu'on fait de Noël un événement de lumière. Mais la réalité, c'est que le personnage central de Noël a choisi d'être loin des lumières, loin des centres, loin de la foule, loin des bruits, loin des palais faits de main d'homme. Et c'était avec une intention bien particulière. Il était loin des parades, loin des défilés, loin des grandes richesses, loin des titres et surtout loin des accomplissements humains. Amen. Pourquoi? Voici la grande vérité. Chers amis, l'histoire de nos vies et surtout l'espoir de nos vies se trouve en Dieu et en Dieu seul. Ne cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas là où Dieu ne se trouve pas. Le salut de l'homme, le salut de l'humanité se trouve en Dieu et en Dieu seul, en Jésus-Christ. La vraie richesse n'est pas dans ce monde. Et c'est là qu'on comprend tous les enseignements que Jésus a partagés à ses disciples, mais également à la foule. Ne vous épuisez pas à amasser les choses que vous allez perdre. Si vous voulez que les choses continuent, si vous voulez investir au bon endroit, choisissez Dieu. Le vrai bonheur se trouve en Dieu et en Dieu seul, chers amis. La vraie réussite, le vrai salut, l'éternité se trouve en Dieu et en Dieu seul. En fait, sans rien à nous. C'est ça, hein? C'est important. Matthieu veut que nous comprenions, nous l'acceptions, même si des fois c'est dur parce que notre nature humaine, on a le goût de croire que finalement, il faut que j'y contribue un peu quand même. Dis-moi que je mérite un peu quelque chose venant de toi, Seigneur. Non! Matthieu explique les récits de la naissance de Jésus pour qu'à la fin, nous comprenions, sans rien à nous, tout est possible à Dieu. C'est pour ça que quelqu'un, j'ai bien aimé, il y a un livre à un moment donné qui est sorti, le titre était celui-ci, c'était un titre, mais en équation, Jésus plus rien égale tout. Et ça, c'est le grand message qui se cache en arrière de Noël. N'est-ce pas merveilleux? La grande vérité, c'est que Dieu, à travers juste le récit, les événements qui entourent le récit de sa naissance, est tout simplement là pour que Dieu nous enseigne quelque chose sur le salut. Alors que toutes les autres religions et les philosophies morales nous enseignent à devoir rassembler nos forces pour vivre comme il convient, selon
des conditions et des attributs bien spécifiques. Vous savez, les religions nous enseignent à rassembler tout ce que nous pouvons faire. En fait, presque les religions déclarent où sont les capables pour recevoir quelque chose. Jésus est le seul à dire, « Moi, je suis venu pour les petits. Moi, je suis venu pour les plus faibles. Je suis venu pour les incapables. » Mais même encore là, je vous dis sincèrement, je déclare ceci, ça sonne beau, ça sonne bien, mais si quelqu'un n'est pas du tout familier avec les choses de Dieu, je vous dirais qu'il vous manque quelque chose. Et je veux juste vous dire la vérité pleinement. Ce n'est pas tout à fait vrai. Jésus n'est pas venu pour les plus petits. Vous savez, c'est pas parce qu'on est faible qu'on va pouvoir juste sortir vainqueur. Parfois, il y a des gens qui sont faibles, mais ils sont bornés à vouloir rester dans leur faiblesse. Le vrai message de l'Évangile est celui-ci. Jésus est le seul à dire « Moi, je suis venu pour ceux qui vont bien vouloir se reconnaître faibles. » Et je parle de repentance ce matin. La repentance commence par reconnaître que nous ne pouvons pas y arriver. C'est game over. Je suis disqualifié. Il n'y a rien, même si je cherche encore, il n'y a rien. J'essaie de te faire gagner du temps. Ne gaspille pas ta vie à essayer de courir dans toutes les directions pour essayer de savoir comment je peux m'en sortir, comment je peux marcher avec une espérance plus profonde, comment je peux m'en sortir pour vivre de manière plus épanouie, chercher le vrai salut. Il ne se trouve qu'en Dieu et en Dieu seul. Et la seule manière de pouvoir y arriver, c'est de reconnaître que je suis faible, que je suis perdu, je suis limité, je suis pécheur et je suis spirituellement pauvre. C'est pour ça que Jésus va dire « Heureux ceux qui vont se reconnaître spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur sera donné. » Je ne les sauverai pas, c'est ce que Jésus dit. Je ne les sauverai pas à cause de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils feront. Je vais les sauver à cause de ce que moi seul j'ai fait. Amen. Moi seul j'ai fait. Voilà pourquoi il s'est tenu loin de Jérusalem. Il annonçait un message déjà. Ce n'est pas qu'il méprisait les gens. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas être les gens, avec les gens, puisqu'il va aller vers l'homme. Il va être même appelé l'ami des pécheurs. Il veut être ton ami ce matin. Maintenant, tu réalises une chose. Pourquoi Jésus a voulu jouer cavalier seul comme ça? Pour que nous comprenions que nous ne pouvons pas rien y changer par nous-mêmes. C'est l'œuvre divine, totale, complète, parfaite, pleine. Rien ne pourra être rajouté à ça. Rien. Elle a été initiée par Dieu puisqu'il est le roi de l'univers. Voilà pourquoi on doit garder toujours en tête qu'il s'agit bien du roi de l'univers parce que tous ces choix ont fait en sorte que maintenant je dois réaliser que le message, il vient vers moi par pure grâce. Pure grâce, c'est un choix délibéré. Personne ne m'a ôté la vie, je l'ai donnée. Ce que Jésus va dire. Loin des accomplissements humains, loin des mérites. Rien ni personne ne peut mériter l'amour de Dieu, chers amis. Je le déclare à quelqu'un ce matin parce qu'il est peut-être temps pour toi que tu t'abandonnes pleinement à celui qui t'a aimé comme personne d'autre ne pourra t'aimer autant. C'est très important. Aucune œuvre humaine ne peut obtenir le salut de Dieu. Seule la gloire de Dieu mérite toute notre reconnaissance. La seule chose qui te reste à faire, c'est de t'émerveiller devant lui. De t'abandonner et de reconnaître, Seigneur, je suis pécheur, je viens à toi, je me donne à toi parce que je réalise, Seigneur, que sans toi, je suis perdu. C'est le plus grand des cadeaux. Amen. Vous savez, un cadeau, c'est supposé générer, susciter de la surprise. Aujourd'hui, il y a moins de surprises. Vous savez, mes enfants, ils grandissent, ils sont ados maintenant. Puis là, maintenant, c'est, bon, qu'est-ce que tu veux à Noël? De l'argent. Ah, OK, de l'argent, OK. Puis là, quand on va magasiner, alors on sait tout ce que tout le monde a acheté. Et puis là, il faut faire semblant d'être émerveillé lorsqu'on va déballer les cadeaux. Tu sais, c'est comme, merci papa, merci maman, commande, c'est toi qui l'as acheté. Tu sais, des fois, tu dis l'émerveillement. Maintenant, ici, ce qui est merveilleux, c'est que personne ne s'y attendait. Un si grand cadeau, personne ne s'y attendait. C'est pour ça que je continue. Après 23 ans de vie chrétienne, je suis continuellement émerveillé devant Dieu. À chaque fois que je prends un temps avec Dieu, je m'émerveille. Je prends même le temps, je veux le faire. Je veux toujours commencer à prendre mes temps avec Dieu en m'émerveillant parce que ça a été la surprise des surprises, la plus grande des surprises, le plus beau des cadeaux. Et je veux continuer à élever le nom du Seigneur grâce à cette bienveillance. Amen.
Un jour, on est allé voir le Père Noël. Plusieurs années, maintenant, ils sont trop grands. Quoique, OK, on va regarder. Et puis, on arrive au village du Père Noël. Et là, c'est le tour de mes enfants. Et puis, mon gars, je mets sur les genoux du Père Noël. Et là, il y a cette fameuse question. J'ai jamais compris cette question-là. La question, alors, qu'est-ce que tu veux à Noël? Et là, t'as mon garçon, il explique le cadeau qu'il veut. Mais là, il y a cette fiche question juste qui arrive après. Je trouve qu'elle n'a pas rapport. Et là, il dit, est-ce que tu as été assez sage pendant toute l'année pour mériter ce cadeau? Commande. Et là, j'ai le goût de dire au Père Noël, commande. Déjà que c'est pas toi qui paye, c'est moi. Fait que... Au moins, je joue le jeu. Tu comprends? Au moins, je joue le jeu. Puis des fois, j'avais le goût, certains Père Noël, de les congédier. Tu sais, t'es comme, OK, donne-moi ton habillement, je vais le faire, moi, le Père Noël. Puis là, j'ai le goût de m'asseoir, de prendre mon fils et de dire, OK, on va mettre les choses claires. Est-ce que t'as été un monstre cette année? Est-ce que t'as été exécrable? Dis-moi la vérité. Parce que non seulement tu le rends coupable, est-ce que tu as été sage cette année? Déjà, il est là, puis il se sent déjà coupable. Puis non seulement tu vas le rendre encore plus coupable parce que tu vas l'inciter à mentir. Il va dire, oui, c'est faux. C'était un monstre. Est-ce que tu as été sage? Non, alors moi j'y vais direct, on va au point, on va au cash, là où c'est déjà comme ça, c'est déjà statué. La dépravation humaine, OK, on y va, même tout jeune déjà. Est-ce que tu as été un monstre? Oui, papa, tu le sais. Est-ce que tu as été exécrable? Oui, papa, tu le sais. Est-ce que tu m'as pourri la vie cette année? Oui, papa, tu le sais. Et voici ce que je répondrai. Voici ce que Jésus répond à chacun d'entre nous. Eh bien, sache que tu mérites ton cadeau pareil. Pourquoi? Parce que ton cadeau n'est pas basé sur ta bonté, sur ce que toi as fait, mais sur ma bonté, sur mon choix, sur ce que moi j'ai décidé d'accomplir pour toi. C'est de cette façon qu'il faut aborder l'Évangile, chers amis, par pure grâce. Amen. Je vais demander à Scott de bien vouloir me rejoindre, s'il te plaît, et commencer à jouer du piano. Alors, je vais vraiment finir en priant aujourd'hui et en demandant à celui qui est souverain d'être dans nos vies. Amen. D'être dans nos vies. On va demander à Dieu, celui qui possède l'existence, de me donner la vie. Amen. Donne-moi ta vie. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de nous aimer à ce point-là? Quelqu'un m'a demandé un jour ceci. Quelqu'un qui n'était pas nécessairement croyant, mais qui était curieux. Mais peux-tu me dire pourquoi? J'entends votre message, mais comment pouvez-vous expliquer que Dieu vous a choisi, vous a aimé à ce point-là? Et j'ai dit à cette personne, je ne sais pas, mais il l'a fait. Ce que je sais, c'est qu'il l'a fait. Et je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai juste besoin de savoir qu'il m'aime. C'est vrai que c'est incommensurable. D'ailleurs, la Bible dit que c'est un amour incommensurable. En fait, vous savez, incommensurable, ça veut dire le incomment. C'est que je ne suis pas capable de dire pourquoi. Pourquoi? Ça a été son choix. Et son choix a été fait uniquement par lui-même. Alors, il l'a fait. Je ne sais pas pourquoi, mais il l'a fait. Ça a été son initiative, son cadeau, son invitation. Moi, je n'ai rien demandé, mais il est venu quand même. Et Dieu aurait pu nous ignorer, chers amis. Écoutez bien ceci. Dieu aurait pu nous ignorer puisque nous étions justement en conflit avec lui. Nous étions séparés de lui. Lui qui avait tous les honneurs, il était roi, il avait tous les honneurs, il a accepté d'être humilié. Le plus grand a choisi de devenir le plus petit. Le plus considéré a choisi d'être moqué et rejeté. Le plus élevé a choisi de se rabaisser. Le plus fort a choisi d'être le plus faible pour un certain temps, sans défense, sans se rendre vulnérable. Lui qui était parfait a choisi d'être bafoué au rang des pécheurs et des criminels. Écoutez bien, lorsqu'on parle d'un roi, c'est le roi qui prend les décisions, c'est le roi qui gouverne. Alors lui qui gouverne a choisi d'être accusé. Lui qui pouvait nous anéantir et accepter, a accepté, chers amis, de subir le châtiment des hommes. Tout cela, la Bible dit, pour nous prouver son amour. Pourquoi il l'a fait, je ne sais pas. Mais il l'a fait. Et il l'a prouvé. Il n'a pas juste dit, il l'a prouvé. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ce matin et prier pour que ce message soit accueilli dans nos cœurs et dans nos vies? Bien plus qu'un message, je prie que l'Esprit de Dieu vous touche là où vous êtes, en ce moment même. Vous savez ce que j'aime pour partager un message comme celui-ci, surtout dans les conditions actuelles? Probablement, c'est peut-être le seul Noël qu'on va
vivre dans de telles conditions. On vit quelque chose d'assez unique à travers la pandémie. Et à travers les décisions qui ont été prises, on va se retrouver très isolés à Noël. En fait, on va célébrer Noël loin de tout. Et j'ai réalisé finalement que c'est peut-être le moment de célébrer Noël encore mieux, de manière encore plus significative que tout ce que nous avons pu faire jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment même dans un contexte qui nous permet de réaliser encore plus l'immense cadeau que Dieu nous a fait. Parce que Noël peut être célébré quelles que soient les conditions, quel que soit l'environnement, quel que soit le passé, quelles que soient les gaffes, quelles que soient les erreurs, quelle que soit la désolation, Noël est digne d'être célébré parce que Noël n'est pas appuyé sur ce que moi j'ai, sur ce que je possède, sur ma valeur, sur ce que j'ai pu faire. Noël s'appuie uniquement sur ce que Dieu est, sur ce que Jésus a accompli. Alors je vous encourage à célébrer Noël. Durant cette semaine, on approche à la célébration de Noël. Prenez un temps, peut-être vous êtes en famille, peut-être vous allez tout seul, mais prenez un temps avec Dieu et de dire, Seigneur, je réalise à travers ce Noël, bien spécifiquement, toute la grandeur de ton cœur en arrière du message de Noël. Et nous allons tout simplement dire, Seigneur, nous te remercions ce matin. Nous te remercions pour le grand message qui se cache en arrière de Noël. Seigneur, tu nous as prouvé ton amour parce que lorsque nous étions encore pécheurs, tu es mort pour nous. Et Seigneur, je veux te remercier de ce que ça a été ton choix, ton œuvre, ton initiative. Loin de ce que moi je pouvais te donner, tu as voulu que je comprenne qu'il n'y a rien que je peux rajouter. Il n'y a rien que je peux modifier. Je ne peux pas rien faire pour que tu m'aimes plus. Tu m'as aidé, déjà aimé de la plus grande des façons. Et le contenant est plein. Rien ne peut être rajouté. Alors la seule chose qui me reste à faire, Seigneur, c'est je me repens et je viens à toi. Peut-être qu'il y a une personne, vous avez besoin de déclarer cette phrase. Seigneur, je me repens de mes péchés et je viens à toi maintenant. Et je reconnais l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour moi par pure grâce. Au nom de Jésus-Christ, on a prié ce matin. Et tout le monde déclare un grand et un vrai. Amen. Amen. Nous voulons célébrer la venue de Jésus-Christ sur terre. Sa naissance est une bonne nouvelle et le sujet d'une grande joie pour tout le peuple. C'est pourquoi nous voulons chanter « Joie dans le monde ». Le Seigneur vient.
son amour, les merveilles de son amour, les merveilles, de son amour. Chantez, quand vous criez, il entend. Chantez, il séchera toute l'âme. Chantez. J'essaierai encore, mes mots sont imparfaits, mais je compte.
chose, notre Sauveur, c'est Jésus. Ton futur est en lui. Notre futur, c'est Jésus. Tout à lui, tout à lui, nous devons toutes choses. Nous connaissons le grand Dieu, nous servons le grand Dieu, et nous devons à ce grand Dieu toutes choses. J'espère que vous avez été bénis par la prédication de notre pasteur Laurent. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions pour nous, vous avez des requêtes de prière, et peu importe, vous voulez connecter avec nous, prenez le temps de nous contacter, et les informations en bas de l'écran vous permettront de nous contacter, soit par adresse courriel, soit par les différents réseaux sociaux. Et je voudrais prendre le temps de remercier tous ceux qui nous supportent financièrement à l'œuvre du ministère du CCH. Et peut-être vous êtes interpellé aujourd'hui à peut-être contribuer financièrement à notre ministère. Juste nous contacter par les réseaux sociaux ou par notre adresse courriel. À tous les dimanches, nous avons des capsules pour nos enfants. Donc, prenez le temps sur notre chaîne YouTube à partir de 11h30 de mettre vos enfants afin qu'ils puissent aussi avoir leur temps de bénédiction avec Dieu. Comme à tous les semaines, soyez bénis, et encore une autre fois, au nom du CCH, joyeux Noël, et on se voit une prochaine fois.